se lève le matin pour chanter tes louanges. Écoute la mer de tes vagues qui parle à chaque instant de ta grandeur. Je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur mon Dieu, tu es le créateur. Comment le soleil se couche à la fin de la journée. Et quand je lève les yeux, je vois la splendeur des cieux. Et je suis émerveillée par la beauté, la splendeur de ta création. L'Association africaine pour la paix par le développement, la FAPD, est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2007 à Abidjan. Notre objectif principal est de prôner la paix entre les peuples d'Afrique et du monde, notamment de notre pays, qui passe par des actions concrètes qui constituent au développement du continent africain. C'est pourquoi cette année, comme les années précédentes, nous rééditons ces actions comme l'arbre de Noël pour les enfants démunis. En tant que fille de la région de la Nawa, c'est un immense plaisir pour moi de retrouver mes frères et mes sœurs afin de partager ce moment de joie. Depuis mon arrivée à Soubré, j'ai eu le temps de constater bien de choses, notamment les besoins des enfants de cette ville qui vivent parfois dans des conditions très difficiles. Je ferai tout avec le soutien de mes frères et sœurs de la région d'apporter ma modeste contribution au bien-être de ces enfants. Cet acte que nous posons est le premier d'une longue série par la grâce de Dieu. Pour terminer, je voudrais dire un grand merci à ma sœur Perpétue Zadou qui m'a permis de réaliser ces événements et bien évidemment à tous ces membres de la Fondation et à mon époux qui n'a pas pu être parmi nous pour le soutien incommensurable qu'il m'apporte. Je vous remercie, mesdames. Je prends la parole au nom des sœurs de Notre-Dame du Calvaire pour vous dire un grand merci d'avoir pensé à la pouponnière Sœur Maria de Soubré. Il faut dire que les sœurs sont venues à Soubré en octobre 1959. C'est là qu'elles ont ouvert le dispensaire et le corps primaire. Ensuite, elles s'occupaient de la catéchèse. Et ce n'est qu'en 2009 qu'elles ont ouvert une pouponnière qui accueille en son sein les enfants qui ont perdu leur maman en couche ou en suite de couche. Et depuis lors, nous avons accueilli une centaine d'enfants. Il faut dire que les enfants, quand ils rentrent ici, ils reçoivent d'abord au niveau de la nutrition, l'allaitement artificiel qui est recommandé. Donc, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 2 ans, ils regagnent leur famille, la cellule familiale, pour l'éducation, la scolarisation de ces enfants. Et nous gardons toujours le lien avec les parents pour le suivi de ces enfants. Et nous vous disons merci parce que c'est la première fois qu'un arbre de Noël est organisé au sein de la pouponnière.
En cela, nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à tous ces enfants. Chaleureux et comme je disais, le sourire et le bonheur qu'on voit dans les yeux de ces enfants n'a pas de prix. Je m'appelle le capitaine du Koufa, le Djangon Lampa, champion d'Afrique, il n'y a pas l'homme. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Esther, merci de m'accueillir ici chez vous. Je tiens aussi à remercier toutes ces femmes qui aident Madame Bouedrogo à s'occuper de tous ces enfants qui sont à l'orphelinat Compassion Esther. Merci de garder toujours le sourire pour ces enfants. Au nom du gouverneur, au nom de la mairie, au nom de toute l'administration de Soubri, vraiment, l'acte que vous posez dans la région de la Nawa nous va vraiment droit au cœur. Et les mots nous manquent pour vous dire merci, rien que Dieu seul qui peut vous récompenser pour ce que vous avez fait dans la région de la Nawa. L'orphelinat Compassion Esther avec tous ses enfants, nous disons merci à la fondation, nous disons merci à la mémé des enfants qui est Madame Kadra. Que le Seigneur la bénisse.
que Dieu la donne longue vie et qu'elle soit la tête et non la queue dans toutes ses entreprises. Moi, avec mes enfants, nous lui disons merci.